Ça va Flo? Oh, je suis trop con. Là on vient de se réveiller dans une forêt du côté de Limoges. On a pris un peu la direction du sud pour faire un road trip. On avait un peu marre de Rennes. La météo c'est catastrophique en ce moment. Et là on a trouvé un petit campement hier, on a fait un petit feu, c'était vraiment grave cool. Est-ce que ça a été une belle nuit ou quoi? Bah ouais, c'était une belle nuit. Avec un peu froide. Oui, le hibou il m'a bercé ce petit bâtard. On a acheté une nouvelle Wheezy Car avant-hier. Et on l'a déjà testé dans les chemins un petit peu. Donc là je vous présente la nouvelle voiture de road trip. On va tester ses petites capacités, ou ses quatre. On était sur la route et on a vu cet immense pont. Et en s'arrêtant pour voir si c'était possible de sauter. On a vu qu'il faisait 40 mètres, donc c'est un peu trop gros. Mais on a repéré des gros câbles de tyrolienne. Je pense que c'est la fin d'un parcours d'acrobranche. Et on a une poulie avec nous dans la caisse. Du coup, on va essayer de voir si on peut set up une petite tyrolienne vandale. On va regarder si c'est possible. On fait ça. Genre ça, un côté de la corde c'est la petite balançoire et ça c'est le stack de corde. Le jeu il t'a balançoire. Non mais je peux pas sauter. C'est impossible. Ah, non mais mec, bah, mets-toi hein. Là pour moi t'es prisonnier. Mais non mais il faut se la faire à la force des bras. Mais oui. Alors on la teste d'ici. Bon, là je fais un petit try, on va essayer d'aller au-dessus de l'eau pour tester si c'est solide. T'es prêt? Je me sécurise les mains au cas où ça prenne feu. Oh mais là il faut pas tomber ici hein. Mec la corde elle est emmêlée, je suis obligé de venir. C'est pas mal hein. Tu ramènes? Ouais. Vas-y, full power. Full power. Wouah. Attends, y'a le truc. Oh, c'est... Ouais, franchement la position est nickel. Je pense que ça part comme ça hein. C'est trop bien, genre t'as ton pied. Et quand tu sens que tu veux sauter, tu peux enlever ton pied trop facilement. Et t'as là le rebond pour envoyer une accro. Du coup ça va être fou. Bon là on va envoyer une onde dans le câble. Et on se la reprend la gueule. Et ça revient là. Là on va faire une petite coulée. On va voir s'il y a du fond. Avance au moins jusqu'aux algues là qu'on voit. Là t'as pied ou pas? Non j'ai pas pied hein. Oh y'a plein de fond. C'est crève d'où? Flo il y va sans combi. Premier petit cliff de l'année pour moi. Oh lui. Alors, en vrai, ça va. Ça saisit. C'est fun, mais le grand, il va être génial. Ouais, en fait, juste à côté de cette tyrolienne là, il y en a une bien plus grande, bien plus haute. Et on s'échauffe un peu sur celle-là pour voir si on peut aller sur la grande tout à l'heure. Bon, là, du coup, on s'est échauffé sur le petit. Là, on va aller sur le moyen. Et pourquoi pas après faire le gros big boy, le gros départ. Du coup, là, ça part. J'ai pris la petite corde. On va installer tout le système, ça part. Crash test. En fait, il m'a mis la tyrolienne là. Je me suis mis toute la corde moi parce que sinon elle va traîner partout. On a mis une petite sangle là pour bien se caler comme ça là. Hop, ça va être nickel. Et du coup, bah, on sait pas si je vais rester bloqué au milieu du fleuve là ou si je vais pouvoir arriver sur la terre. J'ai peur. Tu peux me dire si c'est bien Flo? C'est bon Flo? Ouais. C'est bien. Tu vois pas trop. Bah attends, mets tout ton poids là. C'est bon, ça tient. Vas-y, t'es prêt les gars? Je te pousse. Oh, là Léo il est arrivé genre pile dans l'herbe où on partait tout à l'heure. Du coup c'est parfait. Parce qu'on avait peur un peu qu'il soit bloqué au milieu. En fait ça le fait. Oh la dinguerie. Léo et Filex ont fait le petit, et ça s'est grave bien passé. Et là, on a envie d'avoir un peu plus de speed, un peu plus de hauteur. Et du coup, on va aller au grand, et juste là-bas. C'est parti.
moi, fais-moi une grande longe. Oui, ça c'est bien. Boom! 3, 2, 1, 1! Wouhou! Ouah, ça va tellement vite! Ça va, Flo? Oh, je suis trop con! Ah, c'était chaud, Léo! Oh la vache, c'était une dinguerie! Tu sais que mec, on allait vraiment vite! Hein. Mais oui! Parce que mec, moi, quand je l'ai lâché vite, genre j'ai lâché sur le côté et je suis à des mètres tellement on allait vite, en fait, j'ai surfé sur l'eau! Genre vraiment, c'était un mec! C'est pour ça que en fait, j'ai oublié de lâcher la corde parce que déjà, quand t'as lâché, ça m'a fait un rebond! Et moi, j'étais à une main et j'étais. Genre j'étais là, non mais là il faut que je lâche, du coup j'ai fait Attends, comment j'ai fait une échappe? T'as fait une échappe et après t'es reparti en front. J'ai le plan iPhone. Oui, ça part en feu. Mais mec, j'ai tellement rien compris, ça m'a saisi les couilles là. Bon, là c'était chaud un peu parce que dans notre système il fallait que je lâche la corde à un moment. J'ai oublié parce que déjà j'avais la GoPro dans la main. On arrivait au bout, je voulais pas aller jusqu'au bout. En fait, le moment où genre je m'apprêtais à lâcher, on a commencé à faire un 180, ah oui. On était en arrière et on pouvait plus se retourner. Et c'était n'importe quoi à ce moment-là, on arrivait déjà à la moitié et tout. Et du coup moi je me suis dit vas-y, je vais faire une échappe. Et j'ai oublié d'enlever la grosse corde. Du coup j'ai commencé à partir en échappe. Et il y a la corde qui était entre ma jambe et mon cou qui m'a retenu. Et ça m'a fait repartir en avant. Et je suis arrivé dans l'eau, j'ai rien compris. J'ai fait une double rota mais à l'envers. Oh là là. Bon bah là on va se remettre en route. Essayer de trouver un autre spot sur la route. Let's go. On vient d'arriver au spot pour la nuit. On a cliffé un petit peu, mais là on va se poser, faire un petit feu. Et je pense cliffer demain. Il y a pas mal de trucs à faire ici. Et là, il y a Flo qui est parti monter dans un arbre tout là-haut. Je sais pas trop où il est. Et je vais essayer de le filmer avec le drone.